Salut à tous et soyez les bienvenus. Mideo, tchutchu, quis que si que eu tinha apertado o botão. Mais on y va! Estamos aqui ao vivo para nossa aula de conversação de hoje com a ativadora Carolina. Já entrou aqui, ó. Carolina Kongel, não sei se eu falei certo. E vamos descobrir agora. Eu vou chamar a Carol aqui. E só deixando claro aqui para vocês como que funciona, né? Antes de eu chamar a Carolina. Este é o momento em que eu chamo alguns alunos meus, né, para fazer uma aula de conversação comigo ao vivo aqui. E aí você tem a oportunidade de acompanhar, de bisbilhotar a aula alheia e aprender com a aula de outra pessoa. Porque a gente aprende muito observando. É claro que colocar em ação, em atividade o seu francês e você fazer uma aula de conversação, por exemplo, vai fazer com que você evolua ainda mais, porque são as suas questões, né, os seus momentos de fato. Mas acompanhar a aula de outra pessoa também faz você treinar os ouvidos, aprender estratégias, que eu vou, no caso, compartilhar aqui com a Carro. Deixa eu ver aqui. Carro, você consegue só me falar um oi? Só para eu te chamar aqui? Carolina. Porque aqui quando eu escrevo o seu nome, não aparece. Então, não sei se você tá por aqui ou não. Olha, Yara Milito, deu uma sumida, voltou. Vai lá, chamando então a... E a aula vai ser 100% em francês e ao final da aula eu abro para comentários de vocês, para que vocês possam dizer como que foi essa aula para vocês, como que vocês sentiram que ela foi. Salut Carol, bienvenue. Salut, ça va? Ça va très bien. Pessoal, vou desativar os comentários para todo mundo focar aqui na aula. Alors, on y va. Vamos começar. Carol, bienvenue. Je suis très contente que tu sois ici. Raconte-moi, tu habites au Brésil ou en France ou est-ce que tu habites? J'habite aux Pays-Bas. J'ai fait mon master ici et je me suis arrivée en septembre, non, février. En février, oui. Oui, et voilà, c'est ça. Et ton master, quel est le thème de ton master? J'étudie biologie. J'étudie la biologie. La biologie. Ah, super. Et quel est le thème spécifique? Et c'est... Je ne sais pas comment dire ça en français. Molecular and cellular life sciences. Donc, répète-moi un peu plus lentement. Donc, moléculaire. Moléculaire. En cellulaire, science de la Alors, vie. Oui, c'est dans l'autre sens en français. Donc, c'est science de la vie moléculaire et cellulaire. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Et tu fais tes études en anglais? Oui, oui. D'accord. Donc, quand je me suis arrivée ici, ça a été très difficile pour moi parce que j'ai des français dans ma tête. Ah! Ouais, donc j'ai mélangé tous les mots tout le temps. Et maintenant que j'ai commencé des cours, j'ai oublié beaucoup des mots en français. Donc maintenant, je sens difficulté pour parler en français. Tu sais que ça fait partie, quand on apprend beaucoup de langues différentes, ce que tu vis maintenant. C'est une partie qui va se passer de toute façon. Donc, ne te préoccupe pas parce qu'avec le temps, tu vas arriver à faire bien la différence entre une langue et l'autre langue. Donc, c'est absolument normal. Et pourquoi tu as décidé d'apprendre le français si tu allais habiter aux Pays-Bas, donc où on parle hollandais, et tu allais faire tes études en anglais, et pourquoi le français? Ouais, donc... il y a 3 ans que j'ai habité ici et j'ai voyagé beaucoup sur des autres pays. Dans d'autres pays? Dans d'autres pays? Oui, et j'ai été en France et aussi au Maroc. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens parlent français et beaucoup de pays. J'aime... la langue et ça j'ai décidé de commencer les cours l'année dernière et j'ai adoré beaucoup
Ça a été un moment de ma vie qui est très riche. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, de la langue, mais beaucoup des cultures et j'ai adoré. Mais tu as commencé de zéro avec moi? Oui. Oui, Oui. waouh, super. Il y a combien de temps que tu as commencé? Je suis de la tourne, how do Du you... groupe, on dit du groupe. 14, Du groupe donc 14. Donc tu as commencé en juillet de l'année dernière, moins d'un an. oui. Waouh. Est-ce que tu pensais qu'en moins d'un an, tu parlerais français comme tu parles aujourd'hui? Non, je ne pensais pas. Quand Ouais. je disais que tu allais parler, je disais, ah, c'est possible en 6 mois. Tu pensais, non, elle exagère. Tu pensais quelque chose comme ça? Ouais. Je pensais que j'irais après, mais non comme ça. Et je sais que je peux parler mieux, beaucoup mieux, mais je me suis rendu compte que je peux comprendre beaucoup de choses. Et ça est très bon pour moi parce que maintenant j'ai des amies françaises ici et j'ai beaucoup des amies françaises ici et si je ne savais pas parler ou comprendre les français, je ne pouvais pas faire des amitiés plus facilement. Et tu parles en français avec tes amis? J'ai essayé, oui. Quand on est en double, en couple, Oui, c'est plus facile. c'est plus facile, oui. Mais quand on est en groupe, ils parlent tout le temps en français. Et quand je dois parler, quelquefois, je parle en français ou en anglais. Parce qu'en anglais, je peux répondre plus vite. Oui, plus rapidement, on Plus dit. rapidement. Je peux répondre plus rapidement. Mais c'est très intéressant parce que tu vas beaucoup évoluer. Le plus tu parles français avec tes amis, parce que c'est une situation réelle, tu vas évoluer plus. Et c'est très bien de savoir que tu as pu t'approcher de gens qui parlent français en très peu de temps, parce que tu arrives en février, ça fait 2 ou 3 mois donc que tu es là. Oui, Et c'est vrai. tu avais déjà étudié aux Pays-Bas. Oui, mais seulement travailler. Ah. Je n'avais pas de cours D'accord. dans le passé. Les Pays-Bas sont connus pour la biologie, je ne savais pas. Ils sont très bons ici pour la biologie et pour toutes les sciences de la santé. Ah. Et c'est très bon ici. J'habite à Utrecht, que c'est proche d'Amsterdam. C'est une ville très, très belle et j'adore ici. Je n'aime pas le temps, les climats. Le climat, j'imagine que ça doit être difficile. Ouais. Mais des autres choses, c'est très bon. La nourriture, je peux acheter tous les différents nourritures dans les supermarchés. Et, mais c'est ça. Et j'ai fait des amies françaises en 3 semaines dernières. Non? Il y a 3 semaines où, Il y a 3 semaines. parce que si tu dis dans 3 semaines, c'est un temps dans le futur. Alors il faut que tu dises il y a 3 semaines quand c'est un temps dans le passé. Ouais, donc il y a 3 semaines que j'ai fait des amies françaises et on était dans les stations de train, La gare, dans la gare. la gare, et on parlait en anglais et je me suis rendu compte qu'ils étaient françaises, donc j'ai essayé de parler. Et, ah, je suis en train d'apprendre, d'étudier le français. Et donc, ça a été très bon parce que je vais essayer de parler en portugais. Non, tu parles Non, très bien français. mais c'est très difficile. OK. Ils sont tous françaises. Et on va à le même lieu. Oui, on allait, comme tu me racontes une histoire,
qui est au passé. Donc, tu vas utiliser le temps du passé ici, l'imparfait. Donc, ils sont tous français. Attention de ne pas prononcer française parce que c'est le féminin. Ouais. Donc, comme je pense que tu me dis des amis hommes et femmes. Ouais, ouais, Oui. ouais. Donc, ils sont tous français et on allait tous au même endroit. Au même Oui, endroit. on allait tous pour le même endroit, mais je ne connais pas eux. Je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Et donc, je sais que j'ai appris le français et je m'ai senti, Je me suis sentie. je me suis sentie plus bien Bien reçue. Je me suis sentie bien reçue. reçue. Oui. Et donc, on est parti pour ces lieux tous ensemble et je pense que si je ne savais pas parler français un petit peu, je ne peux arriver d'être avec Avec eux. Oui, avec très bien. Avec eux. Oui, tu ne te sentirais peut-être pas inclus de la même manière que tu as été inclus par le fait que tu parles français. Et les Français, en général, ils sont très timides de parler d'autres langues. Donc, tout le monde, je pense, mais les Français, spécifiquement, je sens qu'ils sont très timides. Donc, le fait que tu parles français, c'est une ouverture, c'est ce que je dis. Le français, il ouvre des portes. Donc toi, tu as vécu ça clairement avec des relations. Et quand on est étranger, quand on arrive dans un pays étranger, une des choses les plus importantes, c'est de se faire un réseau d'amitié, un réseau de relations dans lequel on se sent confortable, on se sent bien. Donc c'est très bien. Très bien. Super. Tu penses rester, vivre aux Pays-Bas ou tu penses seulement faire tes études et revenir au Brésil? Je ne sais pas encore, mais les prochaines années, je peux voyager sur un autre pays, dans un Dans autre un autre pays. pays. Oui, et je ne sais pas si je vais aller en France ou à Californie. En Californie. Californie. Et je pense maintenant, je ne sais pas maintenant, mais peut-être je vais à Paris pour faire mes études à l'Institut Pasteur. Oui, à l'Institut Pasteur. Ouais, je pense que ça peut être une bonne opportunité pour pratiquer le français et savoir parler toutes les choses, tous les temps verbal et Verbaux, parce que c'est le pluriel, verbaux, oui. Et ouais. c'est excellent parce que l'Institut Pasteur, c'est une grande référence dans ce que tu étudies, j'imagine. Oui, c'est très bon. Et les études là-bas sont en français ou en anglais? Ah, je pense que la ma majorité La non. majorité en français. La majorité est en français. Excellent. Tu es de quelle ville au Brésil? Je suis de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Donc dans le sud, d'accord. Quelles sont les plus grandes différences pour toi entre les Européens et les gens Novembourg ou déjà dans le Brésil? Les gens pensent que dans le sud, les gens sont plus européens. Est-ce que tu penses ça? Non, pas du tout. Non, non, non. Je pense que c'est seulement les physiques, mais les habitudes, c'est très différent. Et ici, des personnes sont très Froide. froides. Ouais. Ah. Et ils n'aiment pas des choses qui tournent planéjard. Que tu ne planifies pas. Tu ne planifies pas. Doit être planifié Planifié, oui. tout le temps et c'est très difficile de faire des amitiés avec des Hollandaises, Hollandais Les et Hollandais. des Hollandais parce qu'ils sont fermés et ils sont ouvertes, mais il y a une limite. Limite? Il y a une limite, oui. Ils sont Il y a ouverts, mais il y a une limite.
Ils sont très fermés pour la vie personnelle et ça est une difficulté que je n'ai pas au Brésil parce que des personnes sont très ouvertes. Je suis brésilienne, donc je pense que pour moi c'est plus facile. C'est vrai, c'est sûr, mais quand même, je pense que des Hollandais sont fermés. Intéressant. Quand j'habitais un an en Angleterre et une de mes meilleures amies était une Norvégienne. Et les Norvégiens sont très froids au début, ils te disent bonjour comme ça, avec la main tendue, loin comme ça. Je pense que les Hollandais aussi font ça, non? Et je me souviens, j'étais devenue très proche de cette fille, Christine, et un jour, nous étions dans le métro et il y avait une affiche d'un film qui passait au cinéma. Je ne me souviens même plus quel était le film. Mais j'ai dit, ah, j'aimerais bien voir ce film. Et elle a dit, ah oui, moi aussi. Et je lui ai répondu, ah, on pourrait aller ensemble. Je te jure, vendredi, à 5h30 de l'après-midi, elle est arrivée chez moi. Elle a sonné à la porte. Elle a dit, allez, on y va? Moi, je ne comprenais pas. Alors, quoi? Où? Au cinéma? Tu m'as dit qu'on pourrait aller au cinéma. Donc, ils comprennent tout très. Ici au Brésil, on dit, ah, on pourrait aller ensemble, on pourrait aller au cinéma, mais ça ne veut pas dire. Je pense que j'ai dû dire, ah, peut-être qu'on pourrait y aller vendredi, mais je n'ai pas dit, on y va vendredi, je n'ai pas fixé de rendez-vous, je ne lui ai pas dit, tu viens chez moi. Mais le fait que j'ai dit, ah, on pourrait peut-être y aller le week-end ou vendredi, elle est arrivée chez moi et pour elle, c'était sûr et clair que nous irions ce jour-là. Et je ne pouvais pas, je pense que je parlais à Paolo au téléphone à l'époque, à ce jour-là. Et elle était un peu déçue, un peu, mais tu m'as dit qu'on allait au cinéma. Pourquoi tu ne vas pas au cinéma avec moi? Donc, c'était une différence très grande culturelle. En France, ce n'est pas si fort comme Norvège ou Pays-Bas, j'imagine, mais c'est vrai que les gens sont plus fidèles à la programmation. Ouais. Maintenant, on a un groupe sur WhatsApp et avec mes amis français et elles fixé une date pour aller avoir des tulipes ici parce que ici Oui. c'est printemps et on De est l'époque du tulipe. oui et Wow. donc une des filles veut aller au samedi. Et je veux aller au samedi avec mes amis qui habitent chez moi. Et donc, j'ai dit, ah, je vais avec mes amis et on peut se rencontrer là-bas. Et elle a répondu, oui, donc on se voit, non. On se voit. On se voit à samedi, comme c'était une chose qu'on doit se Fixe. voir. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et les Français, ma mère est comme ça de plus en plus, parce que ma mère est repartie vivre en France et elle est de plus en plus française de nouveau. Les habitudes qu'elle avait un peu camouflées avec la vie au Brésil ont disparu. Mais par exemple, pendant les vacances ou le week-end, il y a toujours une programmation. Elle sait, ah, je vais faire ça, après je vais déjeuner ça, après je vais faire ça. Et pas seulement pour elle, mais on va. Donc si c'est les vacances, c'est demain on peut aller marcher sur la plage. Qui veut aller marcher sur la plage? Et alors il faut décider un jour avant et on est en vacances. Donc ça m'énerve de temps en temps et ça énerve Paolo. Il dit, ah, mais pourquoi on doit décider avant qu'est-ce qu'on veut faire si on est en vacances? Et ce sont vraiment des habitudes culturelles très, très différentes. Ouais. Super. Et qu'est-ce que tu fais en dehors du cours? Est-ce que tu as des choses que tu as incorporées de la culture française, des chansons, des séries, des choses que tu consommes culturellement du français? Oui, j'écoute
J'écoute de la musique, Oui. j'écoute des cantors Mazoué, Ben Oui, Mazoué. Ben Mazoué. Oui, je lui adore, Je l'adore, je l'adore. je l'adore et quelquefois, je regarde aussi des séries 10%. Et c'est un peu difficile parce qu'il parle tout Très très vite. vite. Mais c'est bon parce que maintenant j'ai des amis, ils parlent très 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 vite. quelquefois, ils s'arrêtent et me posent des questions. Tu as compris, tu veux qu'on parle plus doucement. Mais c'est très bon parce que j'ai en train de m'ouvrir. Mes oreilles, oui. Hey, ouais. Et j'écoute ton podcast. Ah. J'écoute des Oscars et la Dame en rose. Et maintenant, Oui. j'ai des livres aussi pour lire et comparer si j'ai compris toutes les choses ou non. Et Super, c'est ça. super. Très bien. Et tu as terminé déjà le cours ou pas encore? Je suis dans les 24 Ah, tu es dans le modules. module 24, donc tu es vraiment à Ouais. la fin. Super. Ouais, mais j'ai m'arrêté, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, maintenant, c'est très difficile de créer une routine pour étudier le français parce que je me suis mergulhée J'ai complètement dans. plongé. Je me suis plongée dans mon master et je dois écrire en anglais et académiquement. Oui, c'est ça. Et Oui, donc, oui. quelquefois, c'est difficile pour moi. Je sais que c'est une excuse. Oui, Excuse. mais je comprends ce que tu es en train de vivre. J'ai fait mon master il y a quelques années maintenant et je sais qu'il y a un moment où on doit presque mettre tout en pause et faire seulement le master. Mais je vais te dire une chose, si tu as l'objectif d'aller faire tes études à l'Institut Pasteur, une des choses que tu vas devoir faire, c'est exactement ce que tu me dis, c'est écrire académiquement en français. Et alors, tu n'as pas, comme tu es maintenant dans la phase de faire ça en anglais, tu dois écrire en anglais. Mais je te recommande que peut-être quelques textes que tu trouves sur ton thème, si possible, de les lire en français. D'essayer de trouver des textes en français pour commencer à t'habituer au langage de ton univers, biologie, des cellules, etc. Ah, ça s'est bloqué. Tu m'entends? Ouais, Oui, je ne d'accord. sais Je ne sais pas pourquoi ton image est bloquée, mais je pense que ça va revenir. Alors, ça, c'est une des choses que je pense qui est importante pour toi. Et de commencer à écrire, mais sans stress. Voilà, ça c'est revenu. Et de commencer à écrire, mais sans stress. Donc, par exemple, je pense que pour toi, c'est idéal que tu entres dans le programme de perfectionnement parce que ça va t'organiser ta routine, ça va te permettre de continuer le français et en même temps de commencer à écrire plus en français, des textes un peu plus longs, des textes argumentatifs, et ça va commencer à t'introduire au type de langage que tu vas devoir utiliser bientôt. Quand tu iras faire tes études à l'Institut Pasteur. Ah, je ne t'entends plus. Tu m'entends? Non? Alors, je vais t'enlever et tu reviens, d'accord? Vou te tirar da live e você volta. Deve ser que tocou o telefone aí ou aqui, não sei. Eu vou tirar você e aí você volta. Deixa eu procurar a Carolina. Senão, me pede de novo. Porque você não aparece aqui para mim. Deixa eu ativar aqui os comentários. Enquanto a gente está fazendo essa troca aqui, fazendo a Carol voltar. Pessoal, o que vocês estão achando aqui da Carol, que começou do absoluto zero em julho do ano passado? É, deu uma pausa, tá? Aqui, ó, Carol. Tá voltando agora. Tá voltando, não. Tá terminando agora o programa, né? Então, ela fez em um tempo um pouquinho maior.
Mas conta aqui o que vocês estão achando do francês dela. Eu só vou falar depois. Vamos ver se dá certo. Esperando a Carol atender. Acho que foi. Salut! Deve ter tocado o telefone. Alors, Carol, je te recommande. Você tinha escutado o que eu falei? Tu as entendu ce que j'ai dit ou não? Non. Seulement on commence D'accord, seulement le le début. début. Alors, je te disais que c'est important que tu commences peut-être à lire un peu en français les choses qui sont de ton univers d'études, de la biologie. Et d'un autre côté, que tu commences à écrire, mais je te recommande le programme de perfectionnement. Je pense que c'est vraiment pour toi, parce que ça va t'organiser dans la routine. Ce n'est pas un programme qui va exiger beaucoup, beaucoup d'heures par jour d'études. Donc, tu vas continuer à faire ton master tranquillement. Mais en même temps, ça va te permettre de commencer à argumenter en français. Et si tu vas faire tes études à l'Institut Pasteur, tu vas devoir écrire des textes académiques en français. Donc, Oui, commencer à c'est te préparer à ça, oralement et par écrit. Donc, les deux. Je pense que c'est vraiment un programme intéressant pour toi. Et tu vas beaucoup te développer avec tes amis aussi, bien sûr, en parlant français. Oui. J'ai parlé até hoje, Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. je parle jusqu'à aujourd'hui avec mes parceiro de crime. Ah oui, qui était ton partenaire de crime? C'est Vera Guadalupe. Ah, Vera qui est dans le programme de perfectionnement. Oui. Ah, c'est très bien, très bien. Excellent. On est. Super. Et alors, Caro, bravo, je voulais te dire bravo. J'abri aqui os comentários. Eu vou fazer aqui uns comentários da sua aula em português mesmo, para que todo mundo entenda. Mas eu queria realmente te dar os parabéns, estou muito feliz e orgulhosa do seu progresso até aqui. É, sempre é um caminho assim que nunca acaba, né? Por isso que eu falo que a fluência não é um lugar fixo no qual a gente chega e acabou. A fluência é uma coisa que a gente vai sempre melhorando, 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 mas você já tem fluência, porque você já consegue conversar tranquilamente em francês. E a história que você contou de ter feito amigos, né, no, na estação de trem e tal, é a prova disso, né? Olha lá a Vera aqui, ó. Je suis fière de toi, bravo. Oui, il faut être fière d'elle, vraiment. É, são poucas coisas que você precisa ajustar no seu francês e é muito de você ouvir e falar, é, tipo, soltar, sabe? Não é uma coisa assim que você precisa aprender a regra, porque a regra você sabe. É você usar mais o francês. E essa oportunidade de você dar um passo a mais e aprender a argumentar, tanto oralmente quanto por escrito, vai ser uma grande transformação para você, assim. Vai ser um. Uau! Eu tenho uma expressão, né, que é jogar o chapéu para o outro lado do muro. E aí você vai ter que achar um jeito de ir lá buscar. Então, é um pouco isso que você precisa fazer, tipo, jogar o chapéu do outro lado do muro para ter que ir buscar. Então, é, recomendo que você dê esse passo. Tem gente aqui perguntando, ela é um C1? Gente, aqui, assim, eu só consigo avaliar a conversa. Mas, a princípio, ela não é um C1 ainda. Porque o que é um C1? É um nível de argumentação, tá? É exatamente o que a gente trabalha no perfeccionamento. É, eu diria que você é um B2, tá? Então, um nível mais avançado. É o começo dos níveis avançados, mas que para virar um C1 mesmo, precisa aprender a argumentar. E não é que você não saiba, mas existem precisões que você precisa conquistar ainda, e isso é com o tempo e com a prática ativa. Então, Sim, isso. eu sinto que muitas coisas que eu aprendi no curso, eu dei essa pausa no começo do mestrado e não botei mais em prática, não ativei, elas estão guardadas em algum lugar aqui, assim, no meu cérebro. E assim, quando eu converso com esses amigos em francês, eu entendo muito, muito, muito mesmo, ainda mais se eles não falam tão rápido, né? Mas eu consigo entender. E só é muito, muito incrível, assim, porque na hora de falar, parece que dá uma travada, sabe? Então, assim, quando eu tô com uma francesa só, aí vai flui mais, porque não tem aquela pressão do grupo todo, né? Mas eu sinto assim que eu queria primeiro agradecer muito pelo curso, foi uma das melhores coisas que eu fiz. E aquele dia na estação que eu consegui conversar com eles e, enfim, fazer amizade, passar o dia com eles, foi assim incrível para mim, porque eu vi que realmente
mudou de um ano para o outro. Eu consegui me comunicar e consegui falar o básico, sabe, com eles. E mais, até um pouquinho mais, que contavam uma piada e perguntavam se eu entendia, e eu entendia, e eles achavam o máximo. Então foi assim, foi muito legal mesmo, e só tá me dando motivação para continuar e para não. Eu tenho aqui meu caderno de francês, ó, para não esquecer as coisas e continuar, né? Eu sinto que falta. Eu faço muito a parte da escuta, a parte passiva, né? E, mas eu sinto que falta eu praticar mais a parte de falar, enfim, e escrever também, montar Mas frases, você que já quero. tá falando com muita fluência, porque tem essa história, né? A gente acha que em algum momento a gente vai se sentir 100% à vontade para falar qualquer coisa. Só que se a gente pensar assim, mesmo em português, a gente não se sente em qualquer situação 100% à vontade. Então, é muito mais a prática. Por exemplo, se você está no universo acadêmico e tem que fazer uma apresentação acadêmica, parece que a gente fica, ai meu Deus, que medo, né? Dá uma travada também, parece que a gente não consegue se comunicar, parece que. Porque é uma questão de prática. Ó, Letícia Gouveia, por exemplo, sou da turma 19, entendi uns 90% dessa live, estou passada. Que massa, Letícia, parabéns. E. Então, é a falsa ideia de que em algum momento a gente vai estar. Ah, beleza, agora é 100%. O que eu percebo é, claro que quanto mais você falar, mais você vai ter essa sensação de confiança de que você de fato consegue se comunicar. E isso já está acontecendo. E agora é mais você se dar conta disso, sabe? E por outro lado, essa parte da escrita, que isso vai fazer uma diferença para você. Porque algumas dessas coisas, você falou assim, ah, eu sinto que está aqui. Que são regras ou coisas, vocabulário que você aprendeu, mas talvez não venha tão facilmente falando, é porque você precisa sistematizar, às vezes, ele de forma escrita. Que na escrita nos dá tempo de perceber. Assim, ah, nossa, não, aqui eu usei o verbo avoir e o être. Você consegue olhar e ter um reflexo, né, daquilo que você está fazendo. Quando a gente fala, a comunicação ela é muito rápida. Então, principalmente no seu caso, agora com amigos franceses. Então. Você fala e não dá tempo muito de você formalizar aquilo que você falou, porque o outro já está respondendo, aí você já tem que prestar atenção para responder de novo. E aí é esse ping-pong que você já consegue fazer. Talvez com um pouco menos de agilidade, obviamente, do que com o português, que é a sua língua nativa. Olha lá, estão falando que você parece a cantora Lu. Que massa. Depois você procura quem é. E, enfim, então você juntando a parte escrita também nesse momento vai te ajudar muito, sem a pressão de tipo, eu tenho que escrever de uma forma XYZ, porque não quero que isso tome espaço do seu mestrado, eu quero que, como sempre, sempre que eu falo, ativar o francês não é separar a sua vida da língua francesa. É isso que é legal no seu relato, é que você já está vivendo o francês, né? Num tempo muito curto. Quantas vezes as pessoas me falam assim, cara, eu estudo a 3 anos, 4 anos, mas não teriam a capacidade de fazer o que você fez, de parar no trem e de uma estação e conversar com as pessoas e virar amiga dessas pessoas, porque elas ficariam o quê? Tão presas à estrutura de aprendizado tradicional que é regra, verbo, não sei o quê, que elas nem teriam coragem de ir lá falar. Muito doido. Então fico para você, para mim É isso. até um caso de muita alegria de alguém que de fato tá usando a língua francesa para a vida. Bravo. Ai, que bom. Bravo, bravo. Prazer conversar contigo. Merci beaucoup, Caro. Une bonne journée, une bonne fin de journée, já deve ser tarde por aí. Un gros bisou et à très bientôt. E Bisou, bisou. à très bientôt, mes Merci à bisous. toi, bisou. É isso, muito massa aqui conversar com a Carolina. E é isso, precisa sempre ativar, né, Caro? A outra Caro falando aqui. É isso aí, tô vendo que vocês estão empolgados, falando que ela fala muito bem francês. E olha que louco, ela falou que em julho do ano passado ela falava zero francês e entrou sabendo absolutamente nada no programa completo de francês ativo. E hoje ela tá falando assim. E isso pode ser a sua história. E para que essa seja a sua história, você precisa dar o primeiro passo, que é participar do evento La Voix, a sua voz francesa, para conseguir e conquistar essa voz que nem a Carro já conquistou, né? Já está. Cada vez se desenvolvendo mais, mas já conquistou o poder de poder se comunicar em francês. Então, dê o passo. O link está na minha bio, é só entrar no meu Instagram e lá na minha descrição de quem eu sou, é só você apertar no link e deixar seu nome e seu e-mail para participar do evento gratuito online, que vai do dia 10 ao dia 16. Inclusive, a gente nem falou disso com a Carol.
Carolina, que estava aqui com a gente, mas ela mora no Pays Basque, né, na Holanda, e consegue fazer o programa, porque é 100% online, tem total flexibilidade de tempo, etc. Onivá, é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra novamente às 5h20 para a nossa próxima live de hoje. E eu esqueci qual é o assunto de hoje, mas em breve eu coloco lá no meu stories. Bisous! Et à très bientôt! Tchau, tchau!